Voilà, on fait la halakhot Bezrat Hashem, Kuf Yud Alef, c'est à 111. Halakhot du Bdikat Hamet ou Bitulo. C'est chapitre 111 de Bdikat Hamet, la vérification du Hamet et comment annuler le Hamet. Balaila, chez l'Ifne RF Pesach, Bodkim et Hamet. Le soir, avant la veille de Pesach, ça veut dire le avant la veille de Pessah, okay, le soir avant la veille de Pessah, parce que la journée lui tombe le Pessah, okay, le soir. Alors on fait ça une nuit avant Pessah. Et Botkim et Hametz, on doit vérifier le Hametz. Vechayavim livdok miyad betrilat alayla. On est obligé de vérifier tout de suite. Au début de la nuit, on ne peut pas repousser ça. Hein. Dès que le soleil s'est couché, on est obligé de vérifier le Hametz. Va'asur la'tchil le'echol ou la'asot shum melacha chatzi sha'a kodem alayla. On n'a pas le droit de manger ou alors de faire aucun travail une demi-heure avant la nuit. On doit commencer, on doit être prêt à rechercher le Hametz. Comment maintenant on cherche le Hametz? En bodkim ela baner shel shava yechidi. Comment on cherche le Hametz? Avec une bougie en cire unique. Une bougie. Pas une bougie comme de la Havdala, où il y a plusieurs mèches. Il faut que ce soit une bougie avec une mèche. Velo kalua mishum dave kavuka. Ou bishat atrak, she'en lo ner shel shava, vdok bener shel chelem. S'il n'a pas de bougie en cire, il pourra prendre une autre bougie, mais toujours avec une mèche. Pas plusieurs mèches. Il n'a pas besoin d'éteindre les lumières. Il n'est pas obligé. On prend la bougie et on vérifie que la bougie. Parce que la bougie, elle est faite pour nous aider. Maintenant, comme si on met tout noir, ça peut, au contraire, à la place de nous aider, ça va être dur de chercher comme ça dans le noir. Maintenant, on n'a pas besoin d'éteindre les lumières, mais il faut qu'on cherche avec une bougie. Il faut qu'on cherche avec une bougie. Bodek, kol ha-hadarim shiesh lachou shema ichnisu baem chametz. Dans quel endroit il faut chercher toutes les chambres, ou alors on peut se douter qu'ils ont rentré à l'intérieur du Hametz. Afilo amartefim ve'aliot ve'chanuyot ubet ha'etzim. Tous les endroits, même les endroits, les caves, ou alors les greniers, ou les endroits où ils mettent les bûches, à l'extérieur, tout ça. C'est possible qu'ils sont rentrés à les enfants, ou alors à quelqu'un avec un sandwich, ils ont fait tomber quelque chose, il faut vérifier partout. Kol sheyesh lachush shema ichnisu sham chametz tzrichim levodkan. Chaque endroit où il y a un doute, où ils ont peut-être rentré à l'intérieur du chametz, il faut vérifier. Vechen tzrichim livdok kol hakelim shemarzikim bahem chametz. Il faut aussi vérifier tous les kelim où il y a à l'intérieur du chametz, tous les kelim, c'est-à-dire les ustensiles où on met à l'intérieur les récipients où on met à l'intérieur du chametz. וקודם הבדיקה יחבדו היטב כל המקומות וינקנו נקו אותם מכל חמץ. Avant la בדיקה, d'abord on nettoie toute la maison comme il faut, כן, de bien nettoyer la maison de tout le חמץ, כן, למען יהיה נקי לו אחר כך לבדקם, pour qu'il puisse, ça va être plus facile pour lui. Déjà, il fait une préparation, ça va être plus facile pour lui de chercher. S'il va commencer à faire le ménage de Pessah, le soir où il fait le. Et alors ça va être dur pour lui de vérifier les endroits et tout. Alors c'est pour ça qu'on fait le ménage de Pessah avant, on nettoie tout, et le soir, on commence à chercher le Hametz, c'est beaucoup plus facile. Okay. Refet shel bakar, shel notnim shama tevoa le behemot le'echol. Maintenant si la personne, elle habite dans la campagne, elle a des chevaux, ou alors des vaches, des trucs comme ça, Refet shel bakar, une étable. Alors, vechen nul shel tarnegolim, shenotim lahem sham tevoa. Mais la même chose aussi si la personne a un poulailler. Enam tzrichim bdika. On n'a pas besoin de chercher là-bas s'il y a du chametz. Pourquoi? Parce que là, on a deux doutes. Il y a deux doutes. Ki shema lo nitratzam sham tevoa. Parce que c'est possible que là-bas, dans les étables, dans ce poulailler, ce qu'ils lui ont donné des graines, ce qu'on leur donne à manger, c'est des graines.
ces graines-là, peut-être qu'ils ne sont pas devenus chametz, parce que seulement quand est-ce qu'ils deviennent chametz? S'ils sont tombés, il y a de l'eau qui sont tombés dessus, ils sont tombés dans l'eau, et ils sont devenus chametz. Tiens, si cette, ces graines-là, ils sont pas, elles n'ont pas été mouillées, elles ne deviennent pas chametz, elles sont cachères les Pessahs. Tiens, ils n'ont pas été mouillées. Donc on dit peut-être qu'il y a pas, peut-être que les graines que j'ai données aux poules ou aux animaux, ça n'a pas, c'est pas devenu chametz, peut-être. Mais on dit, même si tu dis que c'est devenu chametz, j'ai un autre doute. Peut-être qu'ils ont tout mangé déjà. Maintenant, si ils leur ont donné du manger du pain, mamash, obligé de vérifier. Parce qu'il ne nous reste qu'un doute. Peut-être qu'ils ont tout mangé. Mais c'est sûr que ce que je leur ai donné, c'était déjà du chametz. Donc si j'aurais donné quelque chose de chametz à manger, pas des graines, quelque chose de chametz, il nous reste un doute, un objet de vérifier. Tzrichim livdok bechol amekomot bechorim ubizdakim kol ma she'efshar. Il faut vérifier partout, dans les trous. Qu'en avant, à l'époque, ils n'avaient pas des murs propres comme nous. Ils avaient c'était fait avec des pierres comme ça, hein, dans l'autre. Ils avaient plein de trous dans leur maison. Donc ils vérifient dans les trous. Mais nous aussi, s'il y a des endroits où c'est possible qu'il y ait du chametz, il y a des endroits comme ça où il y a des trous, ou alors en dessous les lits, partout. Où est-ce qu'on peut chercher entre les armoires? Des fois, il y a des fentes comme ça, entre les armoires, il faut chercher. Et aussi dans les poches des enfants, et dans les poches à lui, dans ses poches de tous ses habits, de vérifier dans les poches. Okay. Parce que des fois, les enfants ils peuvent rentrer dans leur poche, du chametz, et ils oublient un morceau de gâteau ou un truc, et tout. Et il faut vérifier. Vinarem etev, les machar bishat abirur. Et le lendemain, il est secoua. Maintenant, il dit que ce qu'on a déjà vérifié le soir et qu'on n'a pas porté depuis le soir, et c'est sûr qu'il n'y a pas eu de chametz dedans, on n'a pas besoin de revérifier le lendemain. On n'a pas besoin de secouer. Maintenant, ce qu'on a reporté après la vérification du chametz le soir, donc le matin, on a encore le droit de manger du chametz, et on a porté les vêtements qu'on a portés depuis la vérification du chametz le soir, il faut les revérifier. Quand on brûle le chametz, il faut revérifier ces habits-là. Vav, achadarim, shemorchim laovet kochavim im chametz, kivan shen morchim ad lemachar, imken chal alav balayla chiyuv bdika vechayav levodkam. Si la personne a vendu une chambre à un goy pendant pour Pessah, alors il dit marqué dans le kitzur là qu'il faut revérifier ça. Il faut vérifier ça le soir. Pourquoi? Parce que cette chambre-là lui appartient le soir. Elle appartient pas encore au goy, parce qu'on vend ça au goy un petit peu avant Pessah. Ça veut dire une heure ou deux heures avant Pessah, le rav va chez le goy et il lui vend. Donc le soir, elle lui appartient à lui, cette chambre. Donc il est obligé de vérifier. Même s'il a vendu du chametz, il est obligé de vérifier ça. Maintenant, il dit, il y a marqué, les charoïm, ils ont dit que c'est pas obligatoire. Comme ça va être vendu, cette pièce-là, on n'a pas besoin de la vérifier. Elle est fermée, on ferme ça, à clé ou avec comment on ferme, et on n'a pas besoin de le vérifier parce que ça va être vendu de toute façon. Donc on n'a pas besoin de revérifier dès le soir. Kodem shematri livdok yevarer baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al biur chametz. Ça c'est la bracha qu'on fait. Okay. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, béni sois-tu Hachem, notre roi, que tu nous as sanctifiés par ces mitzvot, il nous a sanctifiés par ces mitzvot, et il nous a ordonné de brûler le chametz. C'est ça veut dire, cette bracha, ça que ça veut dire. Et là, il pose une question. Et comment là, on est en train de vérifier le chametz? On n'est pas en train de brûler, on brûlera ça demain. Là, on est en train juste de vérifier comment on bénit Hachem qu'il nous a ordonné de brûler le chametz. Mais là, maintenant, on n'est pas en train de brûler, on est en train de vérifier. Il dit parce que cette recherche-là du chametz, c'est fait pour que tout le chametz soit dans un carton, et demain matin, je vais prendre ce carton, je vais brûler. Donc comme c'est dès maintenant, je suis en train de chercher pour brûler le chametz, c'est considéré comme si je suis en train de brûler le chametz. Le fiche miyad lachar abdika yvatel hametz sheno yadou alo. Maintenant, il dit, ah non, il lui dit une autre raison. Il dit parce que
Comme maintenant, dès que je vais finir cette vérification du Hametz, on va annuler. Après, on fait l'annulement du Hametz. On annule. Et ça c'est comme si qu'on est en train de le brûler. C'est-à-dire qu'on fait la vérification. Quand on a fini la vérification, on met tout le Hametz qu'on a trouvé dans un carton. Et on met ce carton dans un endroit haut pour pas que les enfants y touchent ça, ou alors si c'est pour pas que ça s'éparpille le Hametz. On met dans un endroit haut, bien fermé comme il faut. Et on dit, on fait l'annulement du Hametz. On verra comment on fait cet annulement là. Hashem, on va voir tout de suite. Donc comme on fait tout de suite on annule le Hametz tout de suite après d'avoir vérifié le Hametz. C'est considéré comme si qu'on avait brûlé, parce qu'on annule tout ce qu'on n'a pas vu. Tout ce qu'on n'a pas vu, on annule. Donc c'est comme si qu'on l'a brûlé. Même si on ne l'a pas brûlé, mamache, avec du feu, on l'a quand même brûlé, puisqu'il n'est plus considéré à nous, on l'a annulé, il ne nous appartient plus. Donc c'est comme si qu'on l'avait brûlé, c'est pour ça qu'on fait la bénédiction Al-Biur Hametz. Maintenant, il faut faire attention de ne pas s'arrêter dès le moment où il a fait la bracha, jusqu'au moment où il commence à chercher. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas qu'il parle. Dès qu'il a fait la bracha, il faut tout de suite commencer à chercher. Alors le mieux, c'est de ne pas s'arrêter du tout, même jusqu'à qu'il finit tout. Ça, c'est le mieux. C'est seulement des choses qui sont obligées pour la recherche du Hametz. Par exemple, allume la lumière, éteins la lumière, tout ce qu'il a besoin pour le Hametz. Ou alors, va me chercher un couteau, je dois gratter. Tous les trucs qui sont appartiennent à la... Ça c'est, il peut parler. Le mieux, c'est de... Tout le reste, c'est de pas parler. Mais il a le droit de parler. On a le droit de parler. Okay, on a le droit de parler. Mais il faut faire attention de ne pas parler tout de suite après la bénédiction. Il faut, dès qu'il a fini la bénédiction, de commencer à chercher le Hametz. Et après ça, il a le droit de parler. Quelqu'un qui a plusieurs maisons, par exemple, eh ben, il a le droit de... Il fait une bracha et il vérifie toutes ses maisons. Il n'a pas besoin de faire dans chaque maison une bracha. Chet. Il y en a qui ont un minag, c'est de prendre des morceaux de pain, c'est d'après le Harizal. Le Harizal, c'est pas d'après... Le Harizal dit que c'était bien, il faut faire ça. Prendre... Des morceaux de pain, 10 morceaux de pain, des petits morceaux, que ensemble il y a 30 grammes au moins, okay, et de les mettre dans des endroits dans la maison. Pourquoi on fait ça? Parce que si maintenant on va faire la bénédiction Al-Biru Hametz, et lui il va pas trouver, il va rien trouver dans la maison, elle est propre, il a plus de Hametz, okay. Alors il a fait une bénédiction en vain, parce qu'il va rien brûler. Alors, comme il met ces morceaux de pain là, il va trouver ensemble, il va voir 30 grammes. 30 grammes, c'est considéré comme quelque chose qui va être brûlé, qui est obligé de le brûler. Donc, comme c'est quelque chose qui va être obligé d'être brûlé, il n'a pas fait la bénédiction en vain. Maintenant, c'est mieux que la personne, elle marque où elle les met. Quelqu'un, il va lui cacher les morceaux de pain, par exemple. Il faut qu'il marque. J'ai mis un derrière la porte, un en dessous du lit, un en haut dans l'armoire, un là-bas. Comme ça, si après il n'a pas trouvé les 10, il peut oublier où est-ce qu'il a mis le 10e. Et ça va rester pendant Pessah. Alors il faut que la personne là, qui va cacher, il marque chaque endroit où il a mis les morceaux de pain. Comme ça, après, même s'il ne les a pas trouvés, alors il les recherche après d'après ce qu'il a marqué. Maintenant, la personne qui fait, il ne faut pas qu'elle recherche les morceaux de pain qu'il a cachés. Il faut même qu'il recherche le Hametz, c'est lui. Et en recherchant le Hametz, il va trouver les morceaux de pain. Il ne faut pas qu'ils recherchent ces morceaux de pain. Ce n'est pas un jeu de cache-cache qu'ils ont fait. C'est pour qu'on ne fasse pas une bénédiction en vain. Mais l'essentiel, c'est de chercher le Hametz mamash. Que peut-être j'ai perdu du Hametz. Il y a dans ça une mitzvah, une grande mitzvah mamash. Que ça représente, ça, c'est de rechercher. Il y a plein de secrets dans cette mitzvah-là. C'est une grande mitzvah. De Rabbi Nathan, il parle de ça dans l'écouté à la chôte. Mais Bepshitout, il faut comprendre cette mitzvah, même si la personne sait que sa maison elle est propre et tout, il a l'impression que sa maison elle est propre, il n'y a rien. Il faut qu'il cherche mamash. De chaque endroit, mamash, il y avait les tzadikim, ils se mettaient mamash à quatre pattes par terre à chercher le pain dans chaque endroit, mamash. Pendant plusieurs heures, ils faisaient ça. Alors, c'est une grande mitzvah de faire ça, Bezat Hashem Yitbarach. Et en recherchant le Hametz, il trouvera les morceaux de pain qu'il a mis et il gardera pour les brûler le lendemain matin. Maintenant, il dit que quelqu'un qui fait une bracha
et qui juste il recherche les morceaux de pain là, ces petits morceaux de pain. Alors il dit que ça c'est une bracha en vain. On ne peut même pas faire la bracha. Si la personne elle veut faire une bracha, une bénédiction, chercher le chametz, albiru chametz, et après ça il va juste chercher ces morceaux de pain, c'est tout. Il va les mettre à côté et il dit lo kiyem mitzvah de bdika, il n'a pas fait la mitzvah de la bdika, de la recherche, et il a fait une bracha en vain. Achametz shu mishayer leachila ou lemechira. יניח קודם הבדיקה במקום שומר, וכן החמץ שהוא מוצא בבדיקתו צריך לשרפו למחר, יניח במקום משומר, מקושר שלא יאבד ממנו, כמו במקום שיראו למחר, ולא ישכח לשרפו. טוב, אולי ג'י אדיסה, אולי שלא רפת פה. אחר הבדיקה מיד יבטלנו. דקי להפיני לבדיקה, איפה כי לאנול סקירסט. Donc comment il fait ça? Car abitul ou balev, l'essentiel du bitul, de l'annul, de comment on annule le chametz, c'est dans le cœur. La personne, on doit dire ça dans notre bouche, mais l'essentiel c'est dans notre cœur qu'on doit faire ça. Ça veut dire tout le chametz qui m'appartient, je l'annule, il ne m'appartient plus. Shigmor belibo, il faut qu'il finisse dans son cœur. Shikol achametz shibirshuto, are ou keil ou eno. C'est comme ça qu'il ne m'appartient plus, c'est fini, il ne m'appartient plus. Veno chashuv klum, il n'est plus du tout considéré pour moi. Ou que mon afar, il est pour moi comme de la terre. Ou que d'avoir chez un bot sur klal, comme quelque chose qu'on n'a plus besoin. Okay? Si par exemple quelqu'un, il peut trouver, chas v'shalom, des choses qui peut-être qui sont importantes, ou alors des choses, je sais pas moi, un pack de, je sais pas, de un paquet de quelque chose, il faut qu'il annule complètement tout le chametz qui appartient, comme si ça lui appartient plus. V'tiknu chachamim, shiotzit varim elu gam befiv. Il faut. Les Chachamim, ils ont dit qu'il faut qu'on sorte ça dans notre bouche aussi. Même que l'essentiel, c'est dans notre cœur, malgré tout, il faut, d'après les Chachamim, il faut aussi le dire dans notre bouche. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Il faut qu'il comprenne ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas qu'il dise ça, par exemple, si c'est marqué en araméen. Mais lui, il va dire ça en araméen, mais lui, il ne comprend rien à ce qu'il est en train de dire. Et bien, il n'a pas accompli la mitzvah. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il dise ça dans le langage qu'il comprenne. Alors, on va dire là le langage. On va dire le langage qui en français. Comme ça. Kol seor v'chol chametz shebirshuti. Shelo ra'itiv v'lo bi'artiv. Il dit comme ça. Tout le chametz qui est à ma possession. Shelo ra'itiv que j'ai pas vu. V'lo bi'artiv que j'ai pas brûlé. Yé batel. Il sera annulé. V'efker. Il m'appartient plus, il est efker. Ken? Vechashuv kafar haaretz. Et il est considéré comme la terre du parterre. Maintenant, hein, là c'est le soir, on fait cet annulement-là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que j'ai pas vu. Ken? Et que j'ai pas brûlé. Mais on ne dit pas que j'ai vu, que j'ai pas vu ça, on le dit le lendemain. Alors pourquoi on ne dit pas ça le soir? Parce que ce que j'ai vu, je ne veux pas l'annuler. Parce que demain matin, je veux manger encore du chametz. Ce soir, je veux manger du chametz encore après la bdika de chametz. On a le droit de manger du chametz. Le lendemain matin, j'ai le droit. Donc, j'annule pas ce qui est encore à ma possession, ce que je mets de côté. Ça, je l'annule pas. Ce que j'annule, c'est ce que j'ai pas vu. Ce que j'ai pas vu. Donc là, après d'avoir fini la bdika du chametz, j'annule tout ce que j'ai pas vu. Tout le chametz que j'ai pas vu, que j'ai pas brûlé. J'annule tout. Mais ce que j'ai mis de côté pour manger ce soir et demain, est-ce que j'ai trouvé Eken? Alors ça, est-ce que j'ai trouvé aussi? Il ne faut pas l'annuler. Ce qu'on a trouvé, on a mis dans un carton, on va brûler le lendemain. Il ne faut pas annuler ça. Eken, on met ça de côté. Est-ce que je l'ai vu? Pourquoi? Parce que si maintenant je l'annule, maintenant, alors demain quand je vais brûler, ce ne sera pas mon chametz à moi que j'ai brûlé. On a une mitzvah de brûler, chacun doit brûler son chametz à lui. Et si maintenant moi, mon chametz à moi, je l'annule, donc il m'appartient plus ce chametz. Donc quand je vais le brûler le lendemain, je ne brûle pas mon chametz à moi, je brûle un chametz qui appartient à personne, qui est efker. Donc tout ce que j'ai trouvé et je mets de côté pour brûler le lendemain, ça je ne l'annule pas, parce que je l'ai vu. Donc on dit, tout le chametz que je n'ai pas vu, alors il sera annulé. Et pas le chametz que j'ai vu. Pour qu'on puisse... Non, אף על פי שביטל את החמץ בלילה שלאחר בדיקה מכל מקום גם ביום לאחר ששרף אותו יחזור ויבטלנו. Non, même quand il a brûlé le chametz le soir, même la journée, il faut qu'il recommence, il le réannule encore une fois. Vichlol. Alors maintenant, la journée, il doit aussi
dire autre chose. Kol seor v'chol chamed shebirshuti sheraitiv shelo raitiv shebartiv shelo beartiv yebatel v'efkir v'chashuv kafar aret. Donc il dira maintenant, après qu'il a brûlé le chametz le lendemain matin, alors il a une mitzvah de brûler le chametz. Donc après d'avoir brûlé le chametz, il a brûlé le chametz, au moins un kazaït, au moins 30 grammes de chametz d'avoir brûlé. Dès qu'il a fini ça, il dira tout le chametz que j'ai vu et que j'ai pas vu. Okay? Il faut qu'il fasse attention d'abord qu'il brûle son chametz. Ça veut dire des fois on met dans le feu, mais ça n'a pas encore brûlé. Ça n'a pas encore brûlé. Alors il faut pas qu'il dise ça. Il faut qu'il attende qu'au moins 30 grammes de ce qu'il a mis dans le feu, ça s'est brûlé. Comme ça, il a fait la mitzvah d'avoir brûlé le chametz à lui. Dès qu'il a fini d'être brûlé son chametz, ça veut dire au moins 30 grammes de ce qu'il a amené, du pain et des trucs qui va brûler. Il a brûlé 30 grammes, un kazaït, au moins. Alors il pourra dire le bitoul. C'est quoi le bitoul? Tout le chametz que j'ai vu et que j'ai pas vu, que j'ai brûlé et que j'ai pas brûlé, il sera annulé et il sera efker et il sera important comme la terre du parterre. Okay? Bien fait. Ah non. Yud bet. Cheder shetzarich bedikat chametz verotze la'asot asoto otzar. Maintenant, il y a une chambre, quelqu'un, elle a une chambre. Cette chambre, il veut la faire en otzar. Otzar, ça veut dire quelque chose, un endroit où il va garder des choses. Une cave, un endroit où il veut garder, par exemple, là-bas des bûches et des trucs, ou alors il a des choses à garder. Des habits, ou alors je sais pas ce qu'il a. Il a plein de meubles, des trucs comme ça qu'il a mis dans une cave. Et maintenant, cette cave là, ça dépend. Il y a plusieurs dynimes dans cette cave là. S'il doit la vérifier, il doit pas la vérifier. C'est très dur d'enlever tout et de vérifier tout parce qu'elle est remplie. Il faut qu'il enlève tout, c'est beaucoup de travail. Maintenant, il y a des choses, il y a des plusieurs halakhot dans ça. Maintenant, il dit comme ça. Si maintenant, Maintenant, il faut qu'avant de mettre les meubles, le mieux, c'est d'abord de vérifier cette chambre. Avant de mettre les meubles, ou alors les bûches, ou alors les trucs, ce qu'il veut mettre là-bas, il faut d'abord qu'il vérifie cette chambre-là, et après il met tout là-bas. Maintenant, s'il n'a pas vérifié, il n'a pas vérifié cette chambre-là, alors ça dépend quand est-ce qu'il veut enlever, il veut enlever tout de la cave. Il veut vider la cave. Quand est-ce qu'il va vider cette cave ? S'il veut l'enlever, il veut vider cette cave avant le bdikat chametz, avant qu'il y ait le bdikat chametz, avant la recherche du chametz. Et alors, c'est les trois chata, les fanoto, les vodko. Puisqu'il veut, il veut la vider avant le bdikat chametz. Il n'a pas besoin d'enlever tout maintenant qu'il vient de rentrer tout dans la cave. Il s'est rappelé, ah, j'ai oublié de chercher le chametz avant. Alors, si il va de toute façon vider cette cave avant la vérification du chametz, il n'a pas besoin de vérifier, d'enlever tout maintenant et de revérifier la cave et de remettre. Il la laisse comme ça et il la vérifiera quand il enlève. Avalim d'anto le fanoto betor yeme a pesach. Maintenant, s'il veut vider cette cave-là pendant les jours de Pessah, alors il faut qu'il enlève tout maintenant. Il vérifie le chametz, il remet tout dedans et il ferme la cave. Elle est bonne, elle est propre pour Pessah. Okay? Puisqu'il veut la vider pendant les jours de Pessah. Pendant les jours de Pessah, il veut vider cette cave. Maintenant, et même si c'est, s'il a beaucoup de mal et c'est difficile et tout. Maintenant, Veim ose et ta otsar al daat shelo lefanoto ad la achar ha-Pessah.
Attends, si il fait ce tsar là, et il veut la vider juste après Pessah, pas pendant Pessah, pas avant Pessah, après Pessah. Et il n'a pas vérifié le Hametz dedans. Alors maintenant, il y a un chilouk, il y a une différence. Si c'est avant 30 jours, avant Pessah, qu'il a rentré cette cave, il ne sait pas s'il y a dedans du Hametz ou pas. Et notre cercle est votre quoi? Il n'a pas besoin de vérifier. Et là, chez Im Yesham Hametz, Yadoua, il va rotrila. Vioilo abitul shivatel kol Hametz bezmano. אבל אם הוא תוך 30 יום שלפני הפסח חל עליו חיוב בדיקה כיוון ששואלים ודורשים בלכות פסח קודם לפסח 30 יום צריך לבוד כו יפה maintenant c'est comme ça si 30 jours avant Pessah il a rentré dans cette cave là qu'il a fermé la cave il s'est rappelé j'ai pas vérifié le Hametz alors si c'est 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de vérifier parce qu'il veut l'ouvrir cette cave-là que après Pessah. Donc il annule le Hametz. Pendant le moment où il brûle le Hametz, il annule, il pense à tout le Hametz qui est dans cette cave-là et c'est tout. Puisque de toute façon, il ne va pas la vider que après Pessah. Et qu'il il a fermé cette cave-là avant 30 jours avant Pessah. Maintenant, s'il a rempli cette cave-là pendant les 30 jours avant Pessah, il est obligé d'enlever tout et de vérifier la cave. Okay. Il a fait. Yud Dalet. Ah, mais ça, c'est seulement si la personne ne vend pas son Hametz. Okay. Si elle vend son Hametz dans cette cave, elle n'a pas besoin de. Okay. Si elle ne veut pas ce Hametz aussi, elle veut vendre ce Hametz qu'il y a dedans à l'intérieur. Elle vend la cave complètement. Okay. À un goy. Alors elle vend la cave, elle vend le Hametz qui est à l'intérieur. Vim osé otsar bevor. Si, maintenant il fait un otsar. Donc tout ça, c'est des halakhot, ils sont un petit peu difficiles. Et en plus de ça, on a presque pas, c'est pas très courant tous ces trucs-là. C'est des choses qui sont pas très courantes, donc on va sauter. Maintenant il dit comme ça. Quelqu'un qui a des poules. Il a des poules. Il ne faut pas qu'il jette des graines dans de l'eau, dans des endroits où il y a de l'eau, où il y a de la boue. Parce que s'il va jeter ces graines-là, elles vont devenir Hametz. Donc il faut qu'il fasse attention 30 jours avant Pessah de ne pas jeter des graines dans de l'eau, dans la boue. Ayotse la derer, kodem lerto yimane shaliach shivdok vivatel chemetzo viomar lo befirush umimane oto le shaliach ala bdika vegam ala bitul vashaliach yomar abe bitul chemetzo shel pluni vechule. Alors il dit comme ça, ayotse la derer. Quelqu'un qui va en chemin et il laisse personne pour vérifier. Si c'est dans 30 jours avant Pessah, si c'est pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours avant Pessah, avant de partir, il vérifie le Hametz dans cette maison-là, comme si c'était la veille de Pessah, mais sans bracha, sans faire de bracha. Maintenant, si c'est avant 30 jours avant Pessah, alors il n'a même pas besoin de vérifier. Et quand Pessah il vient, il annulera le Hametz qui est dans cette maison, c'est tout. Puisqu'il sort de cette maison 30 jours avant. Okay. יפה. אני די כמסה יוצא לדרך קודם לכתור ימנה שליח שיבדוק ויבטל לכם צוב ויאמר הרבה בפירוש שהוא ימנה אותו לשליח על הבדיקה וגם על הביטול ושליח יאמר ביטול לחמצו של פלוני וכו'. מכל מקום גם הוא באשר הוא שם בערב פסח בבוקר יבטל לכם צוב שברשותו. אני די ליד הפרל רב גנץ פריד יפופר השליח. C'est à quoi un chaliach? Quelqu'un lui dit, voilà, va toi, chez moi, il lui donne de l'argent pour ça, ou alors il y a quelqu'un qui veut faire ça est gratuit, d'aller, va vérifier mon Hametz. Quand tu viens la veille de Erev Pessah, tu vas vérifier mon Hametz et tu feras la bracha et tout. Comme ça, il dit à ce chaliach. Et tu feras la bracha et tu annuleras tout. Comme ça, et maintenant lui va faire ça, il va faire la bracha et tout. Et lui-même aussi, cette même personne aussi, il faut qu'il annule son Hametz. Tien? C'est d'après le Rav Gansfried et d'après le Sfaradim, on a dit tout de suite ce qu'on a dit avant. Ça dépend si c'est 30 jours avant Pessah
Donc il n'y a même pas besoin de vérifier. Il annule seulement la veille de Pessah, il annule son Hametz qui se trouve dans cette maison. Et si c'est pendant les 30 jours, alors il faut qu'il vérifie sans bracha, comme si c'était la veille de Pessah. Yud Zayin, Matza Hametz Beveto Bechol HaMoed. Quelqu'un, il se trouve pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, il a trouvé du Hametz dans sa maison. Yotzienu Visrefenu. Il faut qu'il sorte ce Hametz pendant Chol HaMoed et il le brûle à l'extérieur. Vim Yesh Bokazait. S'il y a 30 grammes de Hametz, il a trouvé pendant Pessah 30 grammes de Hametz, il faut qu'il fasse la bénédiction al biur Hametz. Maintenant, d'après les Sfaradim, on ne fait pas cette bracha-là. Même d'après l'Ashkenazim, le Mishnah Bura, il dit de ne pas faire cette bracha-là. Quelqu'un qui a trouvé pendant Pessah du Hametz, 30 grammes, même 30 grammes, il ne fera pas de bénédiction. Il faut qu'il brûle sans bénédiction. D'après le Rav Gansfried, 30 grammes, on fait la bénédiction. Moins de 30 grammes, on ne fait pas la bénédiction. Mais s'il y a quelqu'un qui a trouvé ça pendant Yom Tov, ou alors pendant Shabbat de Pessah, ou alors le Shabbat qui se trouve avant Pessah, ça veut dire, il y a le Pessah, il tombe par exemple, Motsai Shabbat, le samedi soir, il tombe Pessah. Alors c'est mukté. Ken, c'est mukté. Le Hametz, il est mukté parce qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de manger du Hametz. Ken, dès Chatzot Yom, le matin, d'après la fin du temps de la prière, on n'a plus le droit de profiter du Hametz. Ken. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ce Hametz-là, il est mukté. Donc comme il est mukté, on ne peut pas le prendre, de le sortir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un couvercle et on recouvre ce Hametz. Irpe alav keli ad motzai yom tov ou motzai shabbat ve'az yisrefenu. Et à la sortie du Shabbat ou alors du Yom Tov, il brûlera le Hametz. Vim etzao beyamim acharonim shi'az b'motzai yom tov kvar avar ha-pesach et lo mevarech alav et la sorfo belo bracha afilu yesh bo kazait. Maintenant si c'est donc là ce qu'on a dit tout à l'heure, de toute façon qu'on fait pas de bénédiction. Mais là il dit, d'après le Rav Gansfried, que lui il dit qu'il faut faire la bénédiction du Hametz, al-biur Hametz. Donc s'il a trouvé le dernier jour de Yom Tov, et le soir c'est plus déjà Pessah. Okay, le soir c'est plus Pessah. Donc est-ce qu'il pourra pas faire la bénédiction? Parce que déjà quand il brûlera le Hametz, ce sera déjà à la fin de Pessah. Donc il brûlera même sans bénédiction. Mais de toute façon, d'après, on a dit le Mishnah Brura et les Sfaradim, qu'on ne fait pas cette bénédiction-là. Si on trouve du Hametz pendant Pessah, on le brûle, mais sans bénédiction. Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse accomplir toutes les halakhot. Shalom Aleichem. On a fini le chapitre Kouf Yudalet, ça veut dire 111.